Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve sur le nouveau Battle Royale gratuit qu'on peut trouver sur Steam, c'est Radical 8. Je ne l'ai jamais testé, j'ai juste découvert ce jeu sur YouTube, c'est Fuglet, c'est un spécialiste au final dans PUBG, dans tout ce qui est un peu Battle Royale, donc il a fait une vidéo là-dessus, il l'a traité. Bah j'ai envie de découvrir ça avec vous, mais ça y est, je n'y ai jamais joué, ça ressemble à un Fortnite. C'est un mélange entre Darwin Project au niveau des mouvements et un peu le game design de Fortnite. Donc on va essayer de chercher le petit top 1 sur ce petit jeu qui a l'air plutôt pas mal, mes aïeux. On va voir ce que ça donne directement là-dedans, mes aïeux. On va essayer de chercher le top 1 parce que vous savez que moi, je suis friand du top 1. Hein, je m'en fous du top 1, sinon je suis pas bien. Donc on va essayer d'aller chercher ça directement avec vous, mes aïeux. Je n'y ai jamais joué. C'est une totale découverte. On part directement en impro comme ça, mes aïeux. On va directement sur le jeu. On va voir ce que ça donne, ok? Donc, on est directement parti pour essayer de chercher le top 1 sur ce jeu qui va peut-être être bien ou peut-être pas bien. C'est parti, let's go! Crystal clear, something new. Blacker's got some shit to do. Catching up with the hoop. Allez, on va voir ce que ça donne, mes aïeux. Inch'Allah. Inch'Allah, j'ai le top 1. Inch'Allah, j'ai le top 1. Donc oui, une petite particularité dans le jeu, bah les véhicules. S'il y en a d'autres, je ne sais pas, mais j'ai vu que le BMX, c'était le principal véhicule de ce jeu. Ça ressemble beaucoup à Fortnite au niveau des graphismes. On va voir ce que ça donne, hein, mes aïeux. Donc on peut voir sur la carte en haut à droite qu'il y a déjà des zones où on ne peut pas aller et des zones où on peut aller. Il n'y a pas de bus, on est droppé directement comme ça à la zone. Donc on ne sait pas où sont les gens. Bah c'est celui qui sera le plus fort hein, dans les fights. Hein. Allez hop. Hop là, nice. J'ai déjà une petite carabine, j'ai même un Boeing. Donc c'est plutôt pas dégueu. Ah oui, donc on peut acheter des choses maintenant dans des machines comme ça, donc c'est pas dégueu non plus. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. C'est quoi ça? Ah d'accord, donc j'ai qu'une place. Ouais bah je vais prendre le fusil. Ouais. Attends, on va prendre un petit gun. Hein. Ah c'est une ammo box. Ok, on prend tout. Il faut justement, comme vous pouvez le constater, qu'on a des cadenas en bas à droite pour notre stuff. Donc il faut trouver un sac à dos, etc. Comme dans tous les Battle Royale pour pouvoir justement débloquer des emplacements. Ok, donc on prend le cash sert à acheter des armes comme je vous ai dit. Oh un vélo, tiens on va prendre, hop là, hop, on va aller par là, tiens, on a toujours vu personne, c'est bizarre. C'est quoi ça? Game console, je sais pas ce que c'est. Sûrement pour revendre des trucs comme ça. Faut qu'on se casse de là, faut que j'aille chercher. Oh putain, il y avait tellement des bonnes choses ici. Oh les machines, allô. Putain, j'aimerais bien trouver un petit sac à dos, des petits soins et tout, ça serait quand même plutôt soin de ouf. On va pas refaire du bruit quand je tire, je fais pas grand chose. Ah non, bloque pas, non mais putain de vélo de merde. Allez. Bon, je vous ai dit mes aïeux, hein, c'est une bêta, donc les petits bugs et tout, hein. Ça c'est quoi, une AK? Vas-y, je prends une AK, c'est mieux. Bon, vas-y, je vais à pied, moi j'ai envie de tuer du bonhomme, hein, mes aïeux. Vous connaissez ma soif de sang dans les Battle Royale. S'il vous plaît, il y a des méchants. J'ai envie de vous tuer, les méchants. Y'a pas un petit sac à dos, là, un petit truc bien, t'as vu, soin de ouf, non? Ça c'est pour de la vie, j'en ai pas besoin. Non, y'a rien, là, hein. Y'a rien du tout, là. Ça fait quoi si je fais ça? Ouais, en fait, je me suis fait niquer, c'est super. Putain, mais quel connard je suis! Donc ne jamais mettre quelque chose à recycler quand c'est ton arme. Eh, faut apprendre de ses erreurs, mes aïeux, hein. Je ne connais pas le jeu, je vous ai dit, je ne connais pas le jeu. Vas-y, y'a rien dans ce monde, là! Y'a même pas d'ennemis! On est combien encore? On est 39! Putain, je suis jamais allé aussi loin. Bon, en même temps, c'est ma première game. Ouhou, Romain, t'es trop fort. Ah, je suis concentré, mes aïeux, là, hein. Là, j'ai envie de faire le beau jeu pour vous, hein. Oh putain, il est là-bas. Mais d'où? Mais il a combien de vie? Il a combien de vie? Mais je l'ai touché 1000 fois! Certes, ça a été un peu dégueu, mais je l'ai touché 1000 fois! Putain, il avait plus de vie, mais nique sa race! Allez, on va aller là, sur les petites maisons, ici, je le sens bien. Faut savoir aussi, mes aïeux, que 3 patates au début de game peuvent tuer un mec, donc. Oh non, non, mais non! Allez hop, il faut que je trouve une arme. C'est la merde. Allez, je vais l'avoir. Voilà, mon gars, je te roule dessus! 3 patates, je vous ai dit, mes aïeux, 3 patates! Bam! One Punch Man! Enfin, 3 Punch Man! Je sais pas quoi ça. Ça veut dire quoi? Oh, ça donne un cadeau, d'accord. Ok, ouais, c'est pas dégueu le téléphone, hein, c'est un truc doré en même temps. Voilà, tac, comme ça, là, je vais me soigner. Ok, je commence à comprendre, mes aïeux, je commence à comprendre. Voilà, Nardim, j'ai déglingué. Ouais. Allez, hop, cadeau, je te remercie pas. Allez, mon gars, putain, je suis trop chaud. Oh, je leur roule dessus. Oh là là, je suis trop chaud, mes aïeux, là, rien que pour vous, je fais tout ça. J'ai de l'argent? Non, j'ai pas d'argent, par contre. C'est dommage, ça. Pourquoi j'ai pas d'argent? Ouah, Rocket Launcher, il coûte combien? Ouah, ouais, ok, d'accord! Il coûte légèrement trop cher! Légèrement trop cher! J'aimerais trop sortir d'ici, là! C'est quoi cette propriété, là? Si je peux avoir un peu de soins, des petites munitions et tout, on va pas dire non, hein. Voilà, Nardim, on va pas dire non, mes aïeux, hein. Chut, mais fais pas de bruit. On est plus que 38, je suis à 3 kills. Franchement, mes aïeux. Ouah! Il est où? Je l'ai pas vu. Ouah, non. Il est où? Je l'ai pas vu. Wesh, t'es où? Gros, tu me tires dessus, montre-toi maintenant. Soon after. Ah, il est où là?
Toi, je le vois pas. Vous le voyez, mes aïeux? Vous pouvez pas me répondre, je sais, mais bon, on sait jamais. Oh, c'est bien ça. Ah, j'ai plus assez d'argent. Ok, ça coûte ultra cher quand même de se soigner. Hein. C'est pour la survie, mes aïeux. Pour la survie. Oh, bien ça. Mais c'est bien ça, j'ai des petits bandages. Hein. Tu connais les petits bandages? Bah là, j'ai des petits bandages. Ah là, je suis full life. Maintenant, je vais déglinguer des mamans. Oh, encore un petit colis, hein. Mais ça me prend 20, tout ça, hein. Hop là. Oh, ça, c'est bien, ça. Mais c'est bien, tout ça. Ah, y a un mec à droite. Oh, je vais aller me le niquer lui. Eh, Wallen Hardim, je l'ai mis ultra low, là j'y vais. Hein. C'est maintenant ou jamais. Hein. Où es-tu? Poil au cul. Ouya? Où es-tu? Wow, y'a trop de trucs là. Hop là, je prends ça. Allez mon gars, je te roule dessus! En même temps, la petite Aug là, elle me faisait du yab! Putain, mes aïeux là, je suis trop yab! Eh, franchement, je vous fournis un contenu qualitatif. Hein. Et hop, on prend ça. Allez gros, je te roule dessus! Putain, je suis un monstre! Désolé mes aïeux pour les oreilles. Putain, c'est stressant mes aïeux. Eh, franchement, c'est pas dégueu comme jeu, hein. J'aime bien. Hein. C'est un délire. Hein. Bon, c'est peut-être parce que je fais des kills et que je gagne pour l'instant, mais on sait jamais. Oh, y'a un mec là, je l'ai vu. Oh là là là! Je suis unstoppable! Personne peut me stopper! Oh là là, je suis un monstre. Y'a un mec. Tu peux pas me test, rouillard, je te fais le cul! Putain, j'ai pas de casque par contre. J'ai pas envie de me prendre un petit headshot des familles et être pas yam. Putain, 7 kills, mes aïeux, mais 7 kills! Wanna Nardim, je suis un monstre, je suis un stremont, mon rien. Par contre, j'ai plus beaucoup de munitions avec ma Aug. La Aug est vraiment, vraiment pas dégueu. J'aime beaucoup. Ah, on me tire dessus. Ah ouais, t'es là-haut, toi. Allez, mon gars! Putain, je suis un monstre! Par contre, là, faut que je me soigne vite fait. Oh là là, vous avez vu ce kill, mes aïeux? Putain! J'ai envie de me faire l'amour. Voilà, Nardim, j'ai envie de me faire l'amour. Je te promets rien. Allez, on est plus que 9, mes aïeux. Je suis à 8 kills. C'est quand même vraiment, vraiment pas dégueu. Jasden. Oh putain. Mais non! What? Oh non, s'entretuer! Oh non, s'entretuer! Je savais même pas que ça pouvait être possible! Oh, je suis dégoûté! Je vous donne une putain de game, mes aïeux, et on s'entretue! Oh, je suis dégoûté! Et voilà, mes aïeux, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va s'arrêter là aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu-là. Bah, moi, je vous dis clairement, je trouve qu'il y a un gros potentiel. Un gros potentiel par rapport à l'argent, comme on peut voir. Je suis à 1135$. On peut voir qu'il y a un certain système de monnaie qu'on ne trouve pas dans les autres Battle Royale et qui peut tout changer au final. Parce que en arrivant sur une game, si on n'arrive pas à trouver une arme, on peut récupérer de l'argent et choper une arme dans un distributeur. Et je trouve quand même cette idée pas con du tout. Pas con du tout. Après, j'espère quand même qu'ils vont arranger beaucoup de choses, hein, parce que au niveau de la visée, les viseurs et tout, c'est pas top top. C'est pas encore le mieux du mieux. Mais on va voir comment ça se passe. N'hésitez pas à liker, à partager aussi mes aïeux, vous savez que ça me tient à cœur et que j'en ai vraiment besoin et que on est de plus en plus, on est plus de 1900 là, bientôt les 2000, mes aïeux, c'est vraiment un truc de dingue. Et sur ça mes aïeux, on peut se dire à la prochaine, bisous.